Et bonjour tout le monde. Bon, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière, j'ai passé la nuit à la Reims dans un petit dortoir et on avait un bon ronfleur, donc bon, mais ça va pas nous empêcher d'aller nous la régaler. Je dis on parce que je pars pas tout seul, je pars avec mon frérot. Salut la compagnie. T'as bien dormi toi ? J'ai pas dormi. Voilà, mais ça va pas nous arrêter. Alors on est un peu dans le gaz, on est un peu dans le brouillard, on va vous laisser dans le brouillard avec nous. On va pas vous dire exactement où on est, juste on va se balader, on va se la régaler en vallée d'Ossau. On va se faire une petite boucle, on va passer par de la crête, des beaux lacs. Ça va être magnifique, ça va être splendide, le temps s'annonce radieux. On a pris des petits instruments avec nous, pour ma part j'ai pris le ukulélé. Nico t'as pris quoi toi ? Un charango. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Un instrument d'Amérique du Sud. Un charango, vous allez voir, ça sonne très joli, très mignon. Allez on y va. Bon, la montée est bien raide d'entrée, du coup on se réchauffe bien. Donc on va pouvoir enlever une couche d'office. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire là. Bon, ça va faire chaud. Tant qu'on est arrêté, tu nous fais entendre un petit coup de charango là pour qu'on entende le son doux et mélodieux de cet instrument venu d'Amérique du Sud. Ça va être pas mal, allez go! On approche de troupeaux qui sont en estive, donc qui potentiellement sont gardés par le patou. Le patou, chien des Pyrénées, chien de berger, qui fait bien son taf parce qu'il empêche tout individu extérieur au troupeau de s'en approcher. Dans le cas où vous croisez un patou, bah, évitez au maximum le troupeau, n'hésitez pas à faire un détour. Sa mission c'est pas de nous bouffer, hein, mais c'est vraiment de nous faire peur pour pas s'approcher du troupeau. Faut pas essayer de l'impressionner le patou, de lever le bâton, de crier. Il recule même pas devant un ours, ce chien-là, donc il n'est pas impressionnable. Vaut mieux faire tête basse, être discret, et puis passer sans l'embêter, quoi, sans embêter le troupeau. Des petits aboiements d'avertissement pour dire « Hop, 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 là c'est le territoire des brebis, t'approches pas, mon coco. » Petite pause contemplation avec le troupeau, la montagne, les nuages, on est bien là. On sent la force tranquille de la montagne, comme tu disais, Nico. C'est plutôt pas mal. Hein. Magnifique ce petit lac. Pas chier, c'est beau. Allez, ça part pour la petite pause déj. Un petit carré de choc. Eh bien voilà, on a bien mangé en face du lac, dans ce cadre somptueux, hein. C'est toujours un régal de manger au bord d'un petit lac de montagne. T'as bien mangé ? T'as bien bu ? Délicieux, bien bu, c'est bien, on est bien. Bon maintenant, on a une bonne montée pour aller se rejoindre une belle ligne de crête. Par là-bas, là. C'est parti. Eh, petite marmotte ! Au revoir, la marmotte ! Vas-y, fais ton lacet. Hein. Moi, je me régale, je me délecte de ce paysage. Il faut bien se protéger, soit avec de la crème solaire, soit avec un joli couvre-chef. Ah, on est pas mal comme ça. Le gang des chapeaux est dans la place, tape là. Voilà, en toute sécurité, maximum de plaisir, maximum de confort, et pas de coup de soleil sur le nez, normalement. On verra ça en fin de rando. Là quand même. On monte là droit dans le raidillon et puis après on suit une petite ligne de crête. Ça va être intense. Bon, comme on est des gourmands, qu'on a bien marché, on va se faire un petit pic juste là pour terminer. Un pic de toute beauté qui va nous offrir une vue imprenable sur les lacs d'Ayous. Allez, go! Ça, c'est un sommet qui est pas trop difficile et qui offre vraiment une vue splendide.
le pic d'Ayus. On a vu sur tous les lacs d'Ayus, quasiment. On a le lac Castera qui est là-bas derrière. Et on a le gros JP, qui est planqué à la tête dans les nuages. Allez, on se retrouve au lac. Et coucou, nous voilà au lac de Gentao qui est magnifique. On a troqué le chapeau pour un bonnet hein, parce qu'il fait bien froid quand même. Ce soir, on se fait des pâtes au pesto, au parmesan et aux chèvres. C'est pas du Philippe Etchebest, mais on s'en contente. T'imagines le mec goûte, il fait tout de ma gueule. T'as fait que ça à la bouger. Non, ouais. Et ben on peut dire qu'on se les pèle. On se les caille à mort. Du coup, on est venu terminer le repas dans la tente. À la tienne. À la tienne. C'est la rirée. C'est la gaga. C'est la régalade. Bonne nuit. On finit ça et puis on se piote. Et on se voit demain pour le café. Dormez bien. À demain. Bisous. Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que je vois derrière dans le nuage là? Le pic d'Ayus, le petit lac Gentao qui se réveille tranquillement dans les premières lueurs du jour. Et nous on va prendre le temps tranquillement de se réveiller pour se faire un petit déj. Merci. C'était pas mal. Biscuit trempé dans le café avec lever de soleil sur le lac. Là ça la régale. À tienne. À la tienne. On va terminer notre petit déj paisiblement au bord du lac. J'espère que la balade vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.